pour un vlog en fait, c'était pas vraiment prévu, mais ce matin je me suis levée et en fait, bah il y avait ça. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas vous faire une matinée ou une journée avec moi. Donc là il est 8h15, donc du coup on est équipé, on est habillé et on va descendre emmener Alice à l'école. Donc je pense que le chemin pour l'école va être rigolo. Donc j'essaierai de filmer au maximum. Après on est dans un petit village, donc forcément on se retrouve rapidement avec du monde autour de nous. Donc voilà, donc je pense que là vous voyez bien que c'est super bien enneigé. Et ça c'est arrivé en une nuit. Voilà. Donc voilà, donc là on va descendre, on va prendre l'ascenseur et puis bah on se retrouve dans la journée pour la suite. C'est l'heure. Donc là il est 8h32, donc je reviens de l'école d'Alice. Donc j'ai pu filmer vite fait sur le chemin, mais j'ai pas pu filmer en parlant parce qu'il y avait du monde autour de moi, donc on m'a réappris pour une folle. Donc là je viens de rentrer, je pense que je vais, je sais pas, soit me faire un café ou un chocolat parce que là je suis claquée. Je vais voir sûrement aussi pour me maquiller parce que là je ressemble à rien du tout. Donc du coup je pense que je reprendrai le téléphone dans la journée, sûrement de façon à 11h20 pour descendre aller chercher ma fille pour le temps du midi. Donc on verra. Là je vais, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer dans le miroir ma tenue. J'ai les bottes marron de ma mère que je vous avais montré dans un haul. C'est pas terrible pour finir. Donc oui, il y a de la neige dessus. Donc elles sont toutes humides. Donc c'est super. Là j'ai mis un gros bonnet, une grosse écharpe et j'ai enlevé les gants parce que sinon pour filmer c'est compliqué. Donc là j'ai enlevé tout ça parce que je commence à avoir chaud. Il fait 22 dans l'appartement il me semble. C'est ça, il fait 22 dans l'appartement. Donc je vais enlever là, tout c'est ça bon, parce que j'ai sinon je vais enlevé mon mourir. manteau, je commençais à mourir de chaud. Je vais aller aérer les chambres en fait, pour, voilà, pour aérer les chambres. Donc je vais aller aérer nos chambres, je vérifie qu'il n'y a pas de chat qui se carapate pas, ça serait bien. Je sais pas si vous allez pouvoir voir de dehors. Donc je vais aérer la chambre aussi de ma fille. Voilà, comme ça sera fait. Et après, je vais me faire un café et me maquiller. Comme ça sera fait. Il n'y a pas de sushi, il n'y a pas de boobies. On regarde bien. Je vous montre aussi la vue de la chambre de ma fille. Je sais pas si vous allez voir grand-chose. Ouais, pas grand-chose, mais bon. Oula, là, vous ne me voyez plus. Donc du coup voilà, j'aère pendant 5-10 minutes, histoire de dire que c'est fait. Et puis bah, après je vais pouvoir m'occuper de moi et me préparer. Donc du coup, on se retrouve au fil de la journée pour voir un petit peu, voilà, une journée avec moi, comment ça se déroule. Donc on se retrouve plus tard, tout à l'heure. Recoucou, donc là je viens de rentrer, je vais commencer à me maquiller. Et en fait en même temps je regarde la série que j'avais pas pu voir hier, parce qu'il y avait Grey's Anatomy. Donc là du coup je regarde le replay de Gotham, voilà. Donc je vais commencer à maquiller, en même temps je regarde ma série. Donc là, je mets ma base. Hop, je vais utiliser mon fond de teint Match Perfection Rimmel. Je vous ai fait une revue. Je ne sais pas si elle sera en ligne avant ou après le vlog. Je ne sais pas trop. Une triste nouvelle, mais cette partie.
Alors là, c'est une ombre en crème que j'aime beaucoup, je la trouve super magnifique. Hop, je vais utiliser la base Zero Heal de Benefit et je vais mettre mon style sensationnel juste après. Voilà, donc j'ai fini ma maquillée, je suis pas sûre que vous allez voir grand chose. Donc j'ai fait simple, hein. J'ai juste fait mon teint et j'ai mis une ombre crème et j'ai mis un fard à paupières marron dessus, histoire de dire, voilà, je suis pas blanche et je ressemble à quelque chose. Donc je pense que je vais aller me faire mon café que je me suis toujours pas fait parce que j'ai un peu de mal. Actuellement 9h42, donc j'ai fini de me maquiller, j'ai fini de regarder mon épisode de Gotham, donc là je vais un petit peu m'activer, donc je vais finir de ranger mon maquillage, je vais remettre ça dans ma coiffeuse, dans ma chambre, et après je vais prendre l'aspirateur, je vais aspirer tout l'appartement parce que avec les chats, ça, voilà, il y a rapidement des poils ou des choses par terre ou des trucs comme ça. Donc je vais passer l'aspirateur et je vais en profiter aussi pardon, j'ai fait un câlin à mon chat qui fait pas grand-chose et je vais en profiter également pour laver ma maison. Donc là, je vais aller dans le cellier qui est voilà, en bazar. Et je vais prendre mon aspirateur et je vais faire le ménage de mon appartement. Donc je pense que ça va prendre une bonne demi-heure, trois quarts d'heure. Donc je vous retrouverai sûrement après parce que je pense que tout le monde sait comment on fait le ménage et que vous n'avez pas besoin de voir ça en vidéo. Donc bon, bah c'est parti, je vous dis à tout à l'heure. Là, il est 11h10. Et je sais pas si je vais pouvoir vous montrer, mais il commence de nouveau, il recommence à neiger. Donc je viens de mettre la table pour ma fille et moi, parce que mon conjoint n'est pas, elle rentre pas ce midi. Donc je vais aller la chercher, parce qu'elle finit à 11h30. Et du coup, je vais me couvrir. Je suis pas sûre que vous allez pouvoir voir. Je vais essayer de sortir. Alors, en t-shirt, c'est pas malin, hein. Hop. Alors, je sais pas si vous voyez, mais ça neige. Pas sûr qu'on voie grand chose. Je rentre parce que ça pèle sa mère. Voilà. Donc du coup, il reneige depuis une bonne demi-heure à peu près. Donc là, je vais aller m'habiller chaudement parce que là, je suis qu'en t-shirt, mais en même temps, il fait 22 degrés dans la maison. Donc du coup, je vais m'habiller et je vais monter chercher ma fille parce qu'il y a une grande montée. J'essaierai de filmer si je peux. Donc voilà, donc je vais chercher ma fille et puis bah après on va aller manger. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Hop, c'est parti. On va aller chercher la puce. Allez, on va prendre l'ascenseur. On prend les escaliers. L'ascenseur, c'est bien aussi. Voilà, on va sortir.
On se retrouve dehors, en fait il neige pluie à moitié, il neige, il pleut. Donc du coup j'ai pris le parapluie de la reine des neiges de ma fille, et oui. Voilà, hein. J'ai pas pensé au prendre le mien, heureusement dans la voiture il en restait un, donc le sien. Donc là je vais aller chercher ma fille du coup, et voilà. Donc bah, c'est parti. Bon, la neige a bien fondu quand même depuis ce matin. Puis il y avait pas mal de personnes qui étaient là en train de déneiger. Donc du coup, je pense que le chemin pour aller à l'école, ça va être plus pratique que ce matin. Parce que ce matin, on marchait vraiment dans la neige. Et là, du coup, c'est beaucoup plus simple, vous me direz. Hop, donc je suis essoufflée, c'est normal, parce que l'école de ma fille se situe en hauteur. Donc voilà, faut marcher, faut monter. Donc c'est tout en haut d'une colline. Je viens de rentrer, donc je vais faire à manger. Donc je vais me faire des radis pour ce midi, je fais les basiques. Et je sais pas trop ce que je vais pouvoir nous faire à manger. Je vais regarder ça un petit peu. J'ai les chats qui me disent, on a faim aussi. Boubi, sushi, qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez d'or? De F1? C'est le frigo, c'est ça? Alors, donnez des croquettes. Des F1, c'est ça? Et des croquettes pourtant. Des F1? Ça va tranquille? T'es belle, mon sushi. Mon sushi? Tu chantes pas? Boubi? T'as faim, toi? T'as faim, mon Boubi? On va vous donner à manger. Bon, bah, on va faire à manger pour tout le monde, du coup. Coucou, donc là il est 13h36, je viens d'emmener ma fille à l'école en fait, et j'ai passé par ma boîte à lettres en espérant grandement avoir des choses, parce qu'en fait j'attendais mon dossier à CEDIC, on va dire, parce que ça a été assez compliqué. Comment vous dire ça? Donc à la base, avant d'être assistante d'éducation dans un collège, j'avais démissionné de mon poste. Donc j'étais inscrite à Pôle emploi, et j'ai trouvé rapidement, parce que je suis pas quelqu'un voilà, qui... Enfin j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de trouver des trucs, j'ai besoin de m'activer. Donc du coup j'avais trouvé rapidement un boulot. Et donc du coup j'étais restée inscrite à Pôle emploi, parce que sachant que mon conjoint commençait une formation pour passer un concours. Je sais pas, peut-être le feeling ou le truc, enfin, je sais pas si je l'ai senti. Donc du coup, je suis restée inscrite à Pôle emploi, parce qu'on s'était dit chacun son tour, on fera quelque chose. Donc lui, je le laissais faire sa formation pour son concours, et que quand lui, il aurait eu son concours, il me laisserait de mon côté chercher. Et donc du coup, je suis restée inscrite. Et j'avais appelé plusieurs fois pour savoir comment ça faisait voilà, de quitter la Normandie et d'aller dans l'Ain, dans une autre région. Et on m'avait dit que c'était super simple, qu'il fallait simplement faire un transfert. Donc du coup, lundi dernier, j'ai appelé 5 ou 6 fois Pôle emploi, je ne sais plus trop. À un moment donné, j'ai arrêté de compter. Je crois qu'en tout, j'ai dû rester 35 minutes en ligne pour le transfert et tout. Donc du coup le 27, il m'avait dit qu'il fallait tout faire par internet, sauf que sur internet ça ne fonctionnait pas. Après ils m'ont dit non, un transfert c'est possible, je vous passe l'Euronalp. Et en fait ils m'ont passé, ils m'ont dit que depuis le 1er février ils ne faisaient plus de transfert, qu'il fallait tout faire par internet. Donc du coup j'ai tout fait par internet quand ça a finalement fonctionné au bout de 3 heures. Donc j'avais fait mon changement d'adresse, qui me disait si vous changez d'adresse, attention, on vous désinscrit de la Normandie, on vous inscrit en Rhône-Alpes. Donc, je me suis dit voilà, c'est ce qu'il me faut. Donc j'avais fait tout fait par internet, et au bout de 2-3 jours, bah rien. Rien du tout. Donc j'ai appelé. On m'avait dit qu'il fallait 48 heures pour que ça soit actif. Donc j'ai appelé, la personne au téléphone ne voyait rien. Et donc du coup elle m'a dit d'attendre le lendemain. Le lendemain j'ai rappelé, la personne me voyait, donc j'étais bien inscrite dans le Rhône-Alpes, donc tout allait bien. Et et du coup ils m'ont dit vous allez recevoir par courrier votre numéro d'identifiant dans le Rhône-Alpes et tout. Et en fait effectivement j'ai reçu le courrier plus tard. J'ai rappelé en disant par contre quand est-ce que Pôle emploi il me convoque pour un rendez-vous, parce que j'ai des papiers à donner, l'attestation d'employeur et tout, parce que j'ai démissionné pour suivre mon conjoint. Donc du coup j'ai le droit aux assédiques parce que je démissionne pour suivi de conjoint.
Et on m'a dit, oui, bah, ça va se faire, vous allez être convoqué. Et puis bah, lundi, donc une semaine après, donc du coup, toujours rien. Donc j'appelle, j'insiste lourdement en expliquant mon cas et tout ça. Et la dame, elle regarde, elle a fait, non, mais je pense que la personne que vous avez eue au téléphone, elle n'a pas cherché midi à 14h. Et en fait, comme c'est un transfert et qu'à la base, vous n'aviez pas le droit à des droits, parce que je travaillais en fait, elle fait, bah là, du coup, il n'y a rien qui a été fait, quoi. Donc du coup, j'ai appelé lundi. Lundi, elle m'a dit, je vous envoie tout par courrier. Et là, je me dis, on est jeudi et j'ai toujours rien par courrier. Donc du coup, je pense l'avoir vendredi après-midi, vu que le facteur passe vers midi 30, 13h. Donc du coup, je ferai mon dossier vendredi après-midi. Je pense que je pourrais pas l'envoyer avant samedi, parce qu'il y aura sûrement des photocopies à faire. Et que du coup, si je veux faire des photocopies, faut que je prenne la voiture et que j'aille à 6 km de chez moi. Parce qu'ici, on est dans un petit village et à part un coiffeur et une boulangerie, voilà. Donc enfin bref, du coup tout ça pour vous dire que je pense que le vlog va se terminer maintenant parce que du coup là on est l'après-midi. Du coup je vais faire le brin de vaisselle de ce midi, je vais détendre mon linge et je pense que du coup je vais sûrement monter la vidéo vlog que vous êtes en train de regarder et sûrement regarder une série télé parce que du coup j'ai pas grand-chose à faire. Voilà. Donc du coup c'est pas trop comme ça que je voulais que le vlog se termine parce que voilà c'est pas forcément facile d'arriver dans une région où on connaît personne voilà je suis à 600 km de ma région de ma ville natale de ma famille de mes amis j'ai démissionné donc du coup je me retrouve sans amis sans famille et sans emploi donc du coup c'était pas forcément simple sachant que je suis quelqu'un d'assez active je tiens pas en place et je dois faire le ménage pratiquement tous les jours chez moi parce que c'est la seule chose que je peux faire voilà. Donc du coup, on s'était dit avec mon conjoint que du coup, vu que ma fille était en année de CP, qu'on allait le couper au milieu, comme ça, arrivé au mois de février, c'est pas forcément simple pour elle, que du coup, je ne trouverais pas de boulot avant septembre, parce que juillet-août, je me vois pas la laisser dans un centre aéré 2 mois, alors qu'on vient d'arriver dans une région, enfin, c'est compliqué. Surtout que là, on lui a dit qu'elle n'avait pas de garderie le matin, qu'elle n'allait pas aller à la cantine au midi, que je serais là pour elle. Donc du coup... Du coup, je suis partie pour 6 mois à sûrement être au chômage. Donc, j'espère que rapidement, Pôle emploi va se réveiller, qu'ils vont me donner un rendez-vous et que je vais pouvoir faire un bilan de compétences, voir un petit peu où je peux aller et commencer une formation au mois de septembre ou quelque chose. Parce que sinon, je vais vite tourner en rond et ça va vite m'agacer. Donc, voilà. Donc, du coup, je suis désolée, ça finit pas forcément voilà comme je l'aurais voulu donc c'était un vlog voilà un vlog un peu ma vie enfin ma matinée un peu de blabla je vous raconte un peu des choses je pense que je ferai une vraie vidéo blabla en fait où je raconte un peu mon expérience pour l'instant je suis dedans et c'est pas forcément drôle et facile donc du coup voilà donc j'espère quand même que le début du vlog vous aura plu pas forcément la fin je comprends. Donc je vous dis à une prochaine, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos questions si vous avez des questions. Voilà. Je vous dis à la prochaine, au revoir.